Et bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, et c'est Rayquan aujourd'hui. On se retrouve sur la bêta de Crash Team Rumble, qui vient de sortir juste hier. J'aimerais poster la vidéo aujourd'hui, ce serait con de la poster un autre jour. Sortie le 20 avril, donc elle est ouverte jusqu'au 24 avril. Et j'y joue depuis. c'est un jeu en tout cas que j'ai trouvé très fun à jouer jusque là. On a 5 persos qu'on peut jouer, je les ai tous un peu joués honnêtement. J'aime pas Tona et Coco, j'en ai rien à foutre. c'est juste ça. Les autres, je trouve que c'est sympa à jouer. Crash est... il est rapide. Il fait pas mal de dégâts. Non, franchement, j'ai l'impression qu'il fait un petit peu de tout. Ce qui est sympathique. Mais j'ai pas de truc à dire en fait sur ce foutu jeu. Je peux voir qu'on peut personnaliser ses personnages. Ce qui est sympathique. Pourquoi je peux pas... délire. Alors, je sais pas pourquoi... Voilà, je sais pas pourquoi c'est débugué. Ok. Moi je joue Cortex parce que je joue encore, je monte un peu de niveau. Alors c'est quoi la musique qui joue là? Un remix de Cortex. Thème de Cortex de Crash 3. Cortex, ouais, par contre, il est très... il est plutôt difficile à utiliser. S'il est mal utilisé, il se fait défoncer la gueule. Tout simplement. Il est plutôt fragile, faut pas qu'il soit encore à corps, parce que sinon, bon, il se fait juste défoncer la gueule. Tout simplement. Ouais, personnalisation. Putain, elle s'est barrée. Je voulais lui laisser son... Ah non, ok, c'est juste le jeu et ses erreurs d'affichage. Ok. Donc, Dingo Deal, il est plus là pour faire chier tout le monde. Plus là pour aller camper dans la banque des eaux ou camper dans sa propre banque pour protéger. Mais bon, c'est mieux d'aller dans la banque de l'autre. Dans la banque de l'ennemi. Pour aller faire chier tout le monde, comme s'il peut pas foutre des boompas là-dedans. On va te jouer un peu. Alors par contre, j'avais arrêté tout à l'heure parce que ça avait crash. Genre, il y avait tout qu'à crash. Les serveurs du PlayStation Store, je pouvais même pas y accéder. Le jeu, et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est moi qui a pas eu de bol. On a 4 objets en tout. Ça, par contre, gagne des objets, j'ai l'impression, une station relique typique. Bon, encore, je fasse 4. Ça, presque personne ne l'a. donc, Crash Team Rumble, c'est quoi précisément? Grande question. Un battle arena, on va dire. Une sorte de truc comme ça, en 4v4, avec des persos de Crash. Et on doit remplir sa banque de Woompa à 2000. 2000 Woompa. Avant l'autre équipe. Plein de bonus sur le stage et tout, qu'on doit mettre en place. C'est parti. Donc, on va pouvoir parler un petit peu des compétences des personnages. Cortex, il fait pas que tirer. Oh, mais je te reconnais, moi, c'est moi. L'équipe ennemie a encaissé des Woompa. L'équipe ennemie a un bonus. L'équipe a un bonus. Oh non, mais c'est bon, les... Ah non, ok, je vais boire. Parce que je me rappelle hier que j'avais fait un match avec un Crash Mommy qui arrêtait pas de rester dans notre banque. Cortex, du coup, il a le dash, là, comme dans Crash 4. Mais il a aussi maintenant un double saut. Il tire sur les ennemis. Il peut transformer les ennemis en des animaux mutants. Bah, attends, non, c'est même pas des animaux mutants, c'est juste des animaux tout court. Sans dans n'importe quoi. Attends, je suis au max, moi, qu'est-ce que je fais dans conneries. Hop. Franchement, il est très mobile, Cortex. Ça, c'est pas mal. Ah merde, j'ai dû en s'armer. Le bonus ennemi a expiré. Bon, oui, qui a pas mal de trucs à faire. Plus le bordel.
peut faire chier les gens, on peut aller, on peut se remplir notre banque, on peut, voilà. C'est vraiment, ça dépend du style de jeu de tout le monde, hein. Appelez les secours. Le Cortex peut aussi invoquer un piano. Mais je trouve ça un petit peu chiant à placer, honnêtement. L'équipe ennemie a un bon. Enfin, c'est bien quand au pire c'est... En fait, c'est le truc, c'est que c'est un peu long d'utilisation, quoi. Peut-être mettre un peu dans la banque. Voilà. J'ai mis le Gas Moxian Guard là, comme ça au moins ils vont pas faire chier dans la banque les autres. Cas où. Ah ! Mais il est mort l'autre. Non, franchement, c'est un bon bordel, j'aime beaucoup le jeu. C'est beaucoup plus fun quand il joue plutôt que de regarder du gameplay. Parce que le gameplay, c'est vrai que forcément, t'as pas forcément que des joueurs qui jouent vraiment bien. Parce que c'est des gens bah, qui n'ont pas joué. Bah, surtout, ouais, je sais pas, des testeurs, on avait des influenceurs, etc. Équipe ennemie, un bonus. Champ de force ennemi. Alors, ouais, par contre. La charge se fait que deux fois la suite. Ah, on est mort. Bon, bah, fuck. Ouais, je sais pas, ils ont dû pas mal, mettre pas mal de Wumpa. Pourtant, le combat était pas forcément si bordélique que ça, j'ai vu pire. Genre, je me faisais pas défoncer, quoi. Non, à mon avis, je pense que les autres se faisaient défoncer, puis moi, je faisais tout le boulot. J'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il y en a un qui a peut-être juste... Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Honnêtement, là, franchement, je sais pas ce qui s'est passé du tout. Alors, j'aurais vu que ce serait le bordel, ouais, ok. Alors, je vais rester sur... Ou au pire, on passe à Crash? Je sais pas. J'aurais quand même faire un petit peu le gameplay de tout le monde. J'ai pas montré pour le piano. Je vais vous montrer pour le piano. Au pire, on va charger de... Moi, bon, j'aime bien Gas Moxian Guard. Mais Link Fridge, j'ai pas mal aussi. Ouais, vas-y. On va aller sur les Link Fridge. Le frigo qui soigne. Oui, je vais pas mal d'erreurs d'affichage. Ça m'affiche encore le Guard Gas Moxian, mais non, j'ai pris le frigo. Ouais, c'est pas grave. Attends, il est cool le chapeau de haine là-bas, là. Et bon titre. Ah là là. Non, la question de gestion a l'air d'être sympathique, en tout cas. Elle a pas l'air d'être dégueu. Je pensais qu'elle serait un peu plus dégueu que ça, mais en fait, ça va. Enfin, ça en fait, je pense que ça dépend des objets. Genre, vous voyez le bonnet sur Crash, là. Voilà, il est mis comme ça un petit peu, comme ils peuvent. Hein. Vite fait. Ah, donc on va sur Tortiki. Tiki Tower. Oh, c'est bizarre de voir les noms français quand tu vois les noms anglais depuis des lustres. Donc, je pense que je vais garder le nom Tiki Tower, par habitude. Ok, donc on est là. C'est pas souvent que je suis là-bas. Alors, la charge de Cortex, mon mignon, ça peut casser les caisses aussi, hein. Hop là. L'équipe ennemie a un bonus. Bon, malheureusement, j'arrive pas à prendre leur bonus. Tant pis. L'équipe a un bonus. L'équipe encaissée des Wumpas. Malheureusement, je suis en train de me faire défoncer la gueule. Je pense que l'autre. Non, je ne suis plus. Ok, parfait. Tant mieux. Oh bon, j'aime pas assez pour faire ça. Il y a un peu de tout. Sur les stages, on a un petit peu. On a différents trucs à faire. Alors, ça, Ukiyoka, c'est très puissant. En général, c'est mieux de l'avoir. Mais le problème, c'est qu'il faut choper plein de reliques partout. Ma banque, elle est là-bas. Bonus de ton équipe a expiré. Ah cool, il y en a un qui a foutu ça. Là, c'est pour ça. Là, je peux utiliser le piano, là, honnêtement.
Voilà. Ton équipe est en tête. Frigo de soins prêt. L'équipe ennemie est en tête. À mi-chemin de la défaite. Au moins. Ouais, moi aussi. Oh, fuck you. On va essayer de choper plein de reliques, si on peut. Ça peut être pas mal. Nous, tout du coca, il est là. Alors, ça fait très mal après le piano, hein, par contre. C'est très avantageux. Mais ouais, faut bien le viser, bien le placer, quoi. Ah putain, on est un peu dans la merde, là. On a pas assez de reliques, là. J'en ai que deux, là. Ah putain, il en manque un. Fuck! We're dead now. We're fucking dead. Bah oui, oui, bien sûr. Mais après, c'est vrai que, ouais, bon, si on est dans une team où on n'est pas tous bons et que l'autre elle est bonne, ça va être compliqué, hein. J'avais gagné pas mal de matchs hier. Non, aujourd'hui, ce matin. Mais hier, par contre, c'était la cata. On avait aussi des AFK, des fois, dans les équipes, ce qui était chiant. Très, très chiant. Genre, il n'y a pas de système anti-AFK, c'est plutôt chiant. Quand t'as des AFK, t'es obligé de quitter le match et de rechercher un autre, quoi. C'est chiant, hein, mais bon. Ouais, vas-y, je vais prendre Crash, je vais vous montrer Crash. Par contre, je vais le repersonnaliser là. Non, j'ai enlevé le bonnet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, mais je l'ai en fait le. Attends, vas-y. Le crash général, celui qui devait être là depuis le début. Bon, les emotes, j'en sers même pas, honnêtement. Le crash comique, je suis pas fan, honnêtement. Donc Crash, qu'est-ce qu'il a? Lui, Crash, il a ses spins. Il a le triple spin qu'on avait dans Crash 4. Donc ça veut dire que quand on fait 3 spins à la suite, ben, on avance au dernier spin. On avance un petit peu plus. Enfin, une petite accélération. On a le slide qui se fait avec R2. Bah, le slide, hein, vous le connaissez, c'est le slide. C'est la glissade, on l'appelle en français. Qui permet aussi d'avancer un peu plus vite. Moi, ce que je fais après, c'est slide tornade, quoi, pour avancer vite. Ça permet quand même de, ouais, ça permet d'aller vite. Sinon, il a le plaquage, j'ai le double plaquage qui se fait avec cercle sur PS4 ça fait très mal. Ça fait très très mal, honnêtement. Ça, c'est très bon à utiliser dans les banques. Dans les banques alliés ennemis pour se soit alliés ou ennemis pour se protéger ou quoi. Voilà, on peut avancer vraiment vite avec Crash comme ça. Merde, par contre, ouais. Comme c'est R2 maintenant, le bouton pour slide, alors que c'était cercle avant. Ça prend un petit peu de temps à s'habituer. Ton équipe encaissée des mouvements. Ton équipe a un bonus. Ça
c'est un carnage. Bonus disponible. Bon, moi je les aurais fait chier. De soins prêt. Ton équipe caracole en terre. Merde. Le bonus ennemi a expiré. Élimination brutale. Le bonus c'est déjà de ça. Ton équipe a expiré. Non, elle fait chier, trop tard. C'est pas grave. Ouais, j'ai pas grand chose là. Hein. J'ai que deux ou pas, c'est pas ouf. C'est pas ça qui va vraiment aider. On est en tête par contre, on est en tête actuellement. Ah putain, je vais faire défoncer la gueule. Aïe. Bandicrawl. D'accord. Mon équipe a un bonus. Ça y est, ils sont morts. Ok, parfait. Perfecto. On va essayer d'avoir ce qu'il faut. J'ai pas de... Putain, j'ai pas de relique. Je pensais que genre, tu sais, sur le chemin, allez, pourquoi pas. Bah non. Ah merde! J'ai loupé. Hawk bonus ennemi. Ok, on va le défoncer le Destruction Guard, sinon ça va faire chier tout le monde. Bonus de ton équipe a expiré. Frigo de soins prêt. Hop là. Un peu de Vumpa, c'est toujours bien. Oh, c'est bon, on est en tête. Bah, des fois, ouais. Je sais pas si la team s'est refaite ou pas. J'ai pas fait gaffe si on avait changé de personne ou quoi que ce soit. Ah, d'accord, qu'est-ce que c'est là, la voie aérienne. C'est un peu chelou. Attends, tu fais quoi là? Dégage. Ah! Victoire en vue. Attends, on va déposer les Wumpa, qu'est-ce que je fais moi? Frigo de soins prêt. Dégage. Victoire. Voilà. Ça c'est une belle victoire. Après Crash, ouais, je voulais pas trop le jouer parce que j'ai fait son niveau maximum, mais... Bah, de toute façon... Après, une fois que j'aurais fait Cortex et Dracody, bah, j'ai pas envie de jouer Coco et Tona. Coco, j'ai... Je suis pas plus fan que ça, je vais faire utiliser le cycle de Crash. Je vais quand même vous la montrer. Ok, le pass de combat, c'est bien, c'est sympathique. Mais par contre, je trouve ça un petit peu long. Par contre, je trouve le pass de combat, il a l'air d'être assez... Il faut beaucoup jouer, quoi. Hein. Je suis niveau 6, j'ai quand même fait pas mal de matchs. Ouais, c'est... Voilà, quoi, ça va à une vitesse. Et si on passait à un Dingo Deal? Allez, j'aime bien Dingo Deal. On va prendre les Link Fridge. Il est très bon, les Link Fridge, avec lui. Comme ça, un tank, bah, les Fridge, ça le rend bien défensif, en fait. Dingo Deal, donc, il a un aspirateur. J'adore les aspirateurs. Non, en vrai, voilà, avec l'aspirateur, mais il fait le même truc que dans Crash 4, il aspire, il...
Il fait un double saut avec. Et ouais, non, c'est tout ce qu'il fait. Et que après, sinon, c'est le. Il a aussi, comme d'habitude, là, son spin. Son petit spin, mais il peut le charger son spin pour faire un plus grand spin, ce qui est pas mal. Le spin de base, voilà, il n'a pas une super portée. Même s'il est quand même assez gros d'un godis, donc il a quand même une certaine portée. Mais par contre, si vous le chargez bien, ça peut être monstrueux. Ça peut être super dangereux pour les autres joueurs. Par contre, ouais, faut mieux pas. Par contre, si ouais, il se fait défoncer par plusieurs personnes, bah, il est un peu foutu. Ouais. Ouais. Ouais, mais la charge verticale, elle est longue. Enfin, en fait, tu perds un peu de vitesse en marchant, ouais. Donc, du coup que. Ouais, mais je trouve ça un peu chiant. Honnêtement, je veux faire la charge horizontale, quoi. Le dash. Donc, d'un godil, il peut aspirer les caisses, donc comme ça c'est pratique, pas besoin de faire toutes les caisses. Ouais, j'en ai déjà assez, putain, j'en ai déjà 110, des boum pas. Non, ce qui est bien, c'est qu'il peut traquer les joueurs. L'équipe ennemie a un bonus. Par contre, ouais, par contre, il est pas rapide. Hein. Vraiment, il est. Voilà, il a sa vitesse, quoi. L'équipe ennemie a un bonus. Mais oui, il peut s'abuser à aller embêter les joueurs. En tout cas. Oh putain! Merde! Ah, puis j'ai le jeu qui rame un peu aussi, parce que je suis rendu en remote play, donc. Enfin, c'est pas qu'il rame, c'est qu'il perd en FPS, donc bon. J'ai des freeze et tout. Des fois, c'est pas pratique. Mi-chemin de la défaite. On va aller faire chier tout le monde dans sa banque. De soins, bref. Le bonus ennemi a expiré. Alors j'aimerais charger le spin. Bon, ça va être compliqué là, j'ai plus les fridges. Voilà. Je vais bloquer leur banque parce que apparemment c'est compliqué là. Aïe, j'aurais pas dû aller là. Allez hop là. Et on remet un healing fridge. Par contre toi t'es chiant. Ouais. J'aurais bloqué comme j'aurais pu. Par contre, c'est pas bon là. Attends, on est en train de se faire dominer par des Ghost Protection Guard, c'est pas top ça. Évidemment. Ah bah, je suis foutu avec Dagogil par contre, j'ai pas de vitesse. L'équipe ennemie a un bonus. Alors, ça va, il va à la même vitesse actuellement. Bah là c'est compliqué maintenant. Fuck. Non voilà, j'avais essayé de bloquer, j'avais pas mal bloqué. Avec Dungodish, c'est bien, ce qui est bien c'est de bloquer. Faut juste éviter de se faire dominer par plusieurs persos parce que sinon c'est la merde. Il est foutu d'un godil sinon.
Mais ouais, avec si on bloque bien, ouais, c'est pas mal. Hein. Il bloque pas mal d'un Godil. Putain, par contre, recherche en cours. Hein. C'est pas bon ça, qu'on ait pas de joueurs là. Pas extra. Alors après on va essayer, je vais essayer de Coco et après Tona. Tona elle est vraiment, je trouve qu'elle est pas extra à utiliser. Enfin, en fait, j'ai pas encore compris, je pense, totalement tout le délire de Tona. C'est un des persos les plus difficiles à maîtriser ici dans la bêta. Avec Cortex. Genre, Crash, Coco, Dingodil, franchement, ça va. Cortex et Tona, c'est les plus durs. C'est les deux à débloquer et c'est les plus durs à maîtriser, honnêtement. Putain, on est en train de se faire. Donc, on fait un combat, on a deux bots, c'est ça? J'ai pas fait gaffe. Je crois qu'on a qu'un bot actuellement. Je crois qu'il y avait un joueur qui a rejoint au dernier moment. J'ai pas fait attention. Donc on retourne sur les tours Tiki. On a que 3 battle arènes, 3 arènes pour le moment. 3, 2, 1, on avait entendu la musique de Crash Insane Trilogy là. Yes. L'équipe a un bonus. Ça c'est bien les. L'équipe encaissée des boules. Les reliques là. Hop. Non. Lol. Ah par contre je me suis fait absolument enchaîner. Disponible. C'est pas bon pour moi. Merde, qu'est-ce que je voulais faire? Je vais faire ça, je voulais faire. L'équipe ennemie a un bonus. Non, je sais que j'ai pas beaucoup de vie, mais fuck you. Non! Le bonus de ton équipe a expiré. Ah, tu pourrais te dégager, s'il te plaît? Merci. C'est con ça, par contre! De soin. Oh purée. À mi-chemin de la défaite. Le bonus ennemi a expiré. Ah, ok. Oh, ça fait mal par contre. Actuellement. Frigo de soins prêt. L'équipe ennemie a un bonus. Un peu là. Sérieux? J'ai l'impression que ouais, on met pas beaucoup de Wumpa à nous. Hein. On met pas beaucoup de Wumpa et ils sont en train d'en mettre plein eux. Non, je crois qu'il faut que j'aille les bloquer en fait. Activement. Je pense que je vais faire ça, je vais essayer d'aller les faire chier puis ouais. Et j'avais dit, ouais, on va passer à Coco au pire. On va mettre Coco. Coco se déplace assez rapidement. Ce qu'elle a, Coco. On peut voir ses compétences quelque part. Sans pour autant dire que je suis pas prête. Non. Oui.
Non, on peut pas voir. Ouais. Alors, c'est vrai que sinon, ouais. un truc qui fait peur, c'est que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de nouvelles lignes de dialogue ou quoi que ce soit des personnages, on a que du recyclé. Ça fait un peu peur quand même. Ça, c'est une crainte que j'ai. C'est qu'on ait que du recyclage. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément du recyclage, mais il y a beaucoup de recyclage d'assets. En tout cas. Parce que, voilà. Les arènes sont... Oui, c'est du fait. C'est du nouveau, mais... Mais les assets des arènes, c'est du repris de Crash 4. Alors ouais, c'est un peu chelou comment est-ce qu'on contrôle le coco. Alors faut sauter et appuyer sur R2 pour... L'équipe ennemie a encaissé des bombes. Ah putain. Ton équipe a un bonus. Si je la poursuis, bah j'ai pas réussi. L'équipe ennemie a un bonus. Bah oui, évidemment que j'en ai plus de bombes. Sujet comme connerie, moi. Tank bonus disponible. On va les faire chier, hein, s'il faut faire ça, hein. Ça c'est beau. Le bonus de ton équipe a expiré. Le bonus ennemi a expiré. Bon, on va mettre ça, ce sera déjà ça. Oula, je fais plus ça. Voilà, on va mettre ça. Je peux tirer dessus, non c'est bon. Aïe. Ok, parfait. Garde gaz maxien prêt. Ton équipe prend les devants. Putain. Alors. L'équipe ennemie à l'avantage. Ton équipe est en fait. À mi-chemin de la victoire. Parfait. En ce moment, on est en train de refaire d'être un peu mieux là, hein? Par hasard. Voilà, ça c'est terminé. Voilà. Bon, ça va en fait, Coco. Maintenant que je vois à peu près comment elle se joue. Oula. Okay, parfait. Ton équipe a un bonus. Et non. Putain.
te jure. L'équipe ennemie a un bonus. Ouais, on se casse là. Hop, les reliques pour moi. Beaucoup de reliques là quand même. Bonus de ton équipe a expiré. C'est pas grave. Le bonus ennemi a expiré. Garde, casse mon tien, ouais. Victoire en vue. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Ouais, ben voilà. Ça, c'est mieux. S'il y a tous ensemble, c'est bien. Non, faut faire chier un peu l'autre team, parce que si on fait pas chier l'autre team, bah forcément, bah, elle est en train de tranquillement mettre ses Wumpas dans sa banque. Voilà. Oh, sympa, vas-y, allez. Cette tablette, là. Les méga fines, c'est moi. Alors, regardez-moi cette. C'est genre super fin. J'ai vu des casse-pieds, de toute façon, le garde gasmoxien, il est chiant. Ça fait chier tout le monde. Personne n'aime avoir un garde gasmoxien. Il est facile après à tuer, mais... Enfin, facile. Bah, en fait, il est long à tuer. C'est pas qu'il est difficile, c'est qu'il est long. C'est un bon tank, quoi. C'est un garde. Après, on passera sur Tona. Coucou, je la maîtrise bien, honnêtement. Ça va. Tona, c'est celle que, ouais, franchement, c'est déjà un perso que je suis pas fan de base. Je suis pas fan du perso. Je suis pas fan de ce qu'elle fait. De ses compétences. Je suis pas du tout fan de Tona. Vraiment pas. Ils vont plus que Tritail 34. Qui est pas prêt. Oh là là. Bah alors. Début du match. Il paraît que Ben Vupa est aperçu au moment de l'étour Tiki. Ouais, bah je sais pas où elle est. Ah. Ok, c'est parti pour le Canyon Calamité. 3, 2, 1, ouais, c'est trop fun. Oula. Ouais, c'est que je peux. Genre, faut que j'utilise le package, mais c'est vrai que c'est un peu chiant à mettre en place, c'est pour ça que j'utilise pas trop. Ah merde. L'équipe ennemie a un bonus. Ton équipe a un bonus. Par contre, je trouve qu'il est pas mal le spin de Coco. Pour le coup. Celui de Crash, je trouve qu'il est un peu. Il est un peu moins efficace, je trouve. J'ai l'impression. Pour accélérer. Of
armée d'oxyde disponible. Oh, c'est beau ça, de faire chier tout le monde comme ça. Bonus ennemi a expiré. Bonus de ton équipe a expiré. Hop, hop. On met un peu. Je vais essayer d'aller récupérer tout ce que je peux en relique. Non, ce qui est chiant aussi, il est très chiant, je trouve. D'ailleurs, je vais le mettre là, le garde de sanction. Voilà. Voilà. Ah, il est fun en fait, Coco. Allez, il n'y a plus de dingodile. Au revoir. Attends, on peut avoir ce bonus. Champ de force disponible. Ah merde. Bon, c'est pas grave. L'équipe ennemie a un bonus. Ok. Champ de force ennemi. Hop, il en reste deux à mettre. Voilà, le bonus là déjà, ça me fera. Oxyde allié. Garde gastroxien frais. L'équipe ennemie a un bonus. Et c'en est fini d'eux. Hop, dans la banque. Toujours cool. Bonus ennemi a expiré. Ça doit faire mal. Oh attends, putain. Ouais, attends, le cortex là, tu dégages. Tu fais ça, la technique des pros. Et hop là. Par contre, on est un peu dans la merde pour l'autre aussi. L'autre, on peut plus le mettre de boule pas, fait chier. Attends, c'est laquelle la banque, la mienne? Non, c'est l'autre. Oh, ça, c'est l'ennemi. Donc en fait, personne peut mettre de trucs dans sa banque. Aïe. L'équipe ennemie a un bonus. Moi, t'es mort. Merde, je suis morte. Pas fait gaffe. Ma vie était en train de descendre en deux. Ok. Équipe ennemie a un bonus. Équipe ennemie a un bonus. Hop, on en met un peu. Ah,
Hop. Champ de force ennemi. I'm going to be destroyed by me. Ah non, c'est voilà. Ça devrait être interdit. C'est con ça, hein. Il va falloir passer la serpillière. Par contre, j'ai l'impression que mon cercle ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Appelez les secours. Et hop là. À ça, tout est mort. Du moins, tu seras mort. Victoire en vue. Champ de force ennemi. Ça, par contre, c'est plus chiant. Faut que je monte là-haut. Putain. Alors, ça, c'est chiant là, par contre. Aïe aïe aïe, c'est un carnage. C'est un carnage, mais ils sont désespérés de toute façon. Ils sont désespérés en faisant ça en fait. Si on... Parce que si on y va tous, on peut les défoncer. Voilà. Ah merde. Bonus de ton équipe a expiré. Putain. Ah. Le bonus. Mauvaise manœuvre. A expiré. Très mauvaise manœuvre malheureusement. Oh non, mais... Je sais pas, ça l'a enlevé en plus à un moment. Faut que je reste au milieu ou quoi? Genre, il y a un petit endroit où fallait que je pouvais pas mettre de... Vous me parlez, on dirait. Ça a refait le décompte. Plutôt chiant, cette histoire. Champ de force ennemi. Allez, c'est bon, on va pouvoir mettre là. Voilà, c'est mieux là. Dépose pour gagner. Ah ben j'aimerais bien, mais... Allez, boum, t'es mort. Putain, dégage. Par pitié. Voilà. C'est mieux ça. That's better. Ok.
un peu plus long que ce match. Hein. Bah ouais, ça a tourné en rond. Non, je sais même pas ce qu'on a débloqué. Tablette bleue canard. Vas-y, je prends. J'ai pas fait gaffe où est-ce qu'on est débloqué dans passe de combat. Ok, passons à Donna. Est-ce que je prends Lily Fridge? Vas-y, j'aurais pris Lily Fridge. C'est pas la rendre un peu plus cool. Ça lui enlève carrément ses cheveux. Même ses oreilles, putain, elles se foutent dans la... ça se fout dans le chapeau. Ah d'accord, t'as les cheveux qui dépassent, tu sais. Ouais. Bru. Putain, d'accord. Wow, il se passe quoi? Tout le monde qui quitte, tout le monde qui revient. Ah merde, putain, ça m'a foutu ça en emblème, en fait. Ah, mais je veux pas de ça en emblème, en fait. Bruit. Non, le profil, on peut que modifier hors match. Non, bon, on va faire quelques... On va faire deux matchs avec Tona. Deux ou trois. Le temps de le maîtriser. Et puis après... Après, je pense m'arrêter là. Au niveau de... au niveau de cette vidéo. Par contre, je continuerai à jouer. Non, voilà, c'est surtout pour faire mon avis. En vidéo. Ça... Ouais, ça aura fait du coup deux bêtas hein, que j'aurais été là. La bêta de The Center World et la bêta de Crash Team Rumble. Ouais. Et franchement, je suis bien content de cette bêta. Voir sur PS4, c'est pas ouf. Ok, c'est parti. Donc, elle a aussi le triple spin, Tona. Elle a le double saut, un double saut normal. L'équipe ennemie a un bonus. Ah par contre elle peut transporter quand même 130 Goombas, c'est pas mal. Ouais. L'équipe a encaissé des Goombas. Elle a une très très grande mobilité. Hein. Le grappin est pas mal pour ça. Faut bien le charger par contre si on veut aller quand même assez loin. Ouka Ouka disponible. Frigo de soins prêt. Mais ouais, par contre, ouais, elle peut en avoir sorti vraiment beaucoup des Wumpa. Pour le coup. L'équipe a un bonus. Le bonus ennemi a expiré. Aïe. Frigo de soins prêt. Aïe. Bon, ok. Laissons pas de débloquer avec Tona. Bonus de ton équipe a expiré. Bombardement disponible. Je suis pas très fan de ce qu'il fait Tona. Vraiment pas. C'est pas du tout mon style. Le grappin, je trouve trop chelou. Ouais, c'est à l'aide. Je crois que c'est gouré. Ah, on peut quand même aller aussi. Ok, d'accord. Ça va alors. Bonus ennemi a expiré. Voilà, il y a quand même une sacrée mobilité après. Hein. C'est pas, ça c'est pas mal.
Mon équipe est en train. Par contre, on n'a pas beaucoup de reliques là. C'est pas bon ça. L'équipe ennemie prend les devants. Son équipe a l'avantage. À mi-chemin de la victoire. L'équipe ennemie est en tête. Ton équipe a un bonus. Ton équipe prend les devants. Ouais, s'ils sont deux, ça va être compliqué. Ouka ennemi. Fais chier. Frigo de soins. On est dans la merde. Le bonus ennemi a expiré. Genre vraiment, on est vraiment dans la merde. Ouka, c'est de la... C'est de la saloperie. Ah putain. Non, c'est super puissant, Ouka. C'est très serré. Là où Oxide, bon voilà, la banque bonus, mais Ouka, c'est n'importe quoi. C'est pété Ouka. Bonus de ton équipe a expiré. L'équipe ennemie à l'avantage. Invincibilité, bombardement, toutes ces jolis trucs, tous ces jolis trucs. Bombardement ennemi. Bombardement allié. Oula. Ok, c'est ouais, bombardement allié, c'est pour nous. Ouais, c'est serré. Allez, il meurt, voilà. Défaite en vue. Victoire en vue. Faut savoir. Frigo de soin prêt. Le combat. C'est bon. Est très serré. Défaite. Non, merde. Ah putain. Deux équipes ont été incroyables. Oh, on avait pas assez, putain. Bah, c'était bien au moins. C'était pas un combat à la con. Je déteste quand c'est du 2000 versus 500. Ça, j'ai l'impression que notre équipe après elle a rien fait. Pas top. Ok, bon, je mettrais un peu plus Tona. C'est un peu mieux. Ok, ça s'en vont pas deux fois en 15 secondes. Hein? Tu fais ça? Faut max de caisse à côté ou c'est comment? En 15 secondes, enfin c'est court 15 secondes. Le temps d'aller chercher sans Wumpa. Je pense que je mets 15 secondes à aller chercher sans Wumpa en fait. Voir ça en tout. Sans Wumpa. Il y a des chances. Dans ce cas, ouais, faut aller à fond, aller chercher les caisses et encaisser. Ananas doré. Les fans du Romain parlent depuis longtemps d'un certain ananas doré. Ça te parle? Non, absolument pas. Qu'est-ce que c'est que ça? L'équipe ennemie a encaissé des Wumpa. L'équipe a un bonus. Oula. L'équipe ennemie a un bonus. Frigo de soins prêt. Alors ça c'est bien, ça fait un genre de triple saut. Banque bonus disponible.
Oh putain. Le bonus de ton équipe a expiré. Le bonus ennemi a expiré. Fait chier. Je les aurais juste ralentis. Frigo de soin, bam. L'équipe ennemie est en tête. Ah putain. Au moins je l'ai défoncé. Ça lui apprendra. Ouais, laisse tomber. L'équipe ennemie a un bonus. À mi-chemin de la défaite. Frigo de soin prêt. Bonus de ton équipe a expiré. On est en train de le défoncer à 3, tu parles. Putain, par contre. Wow. Frigo de soin prêt. Le bonus ennemi a expiré. Hop. Frigo de soin prêt. Merde. Ah, un peu compliqué là. Ton équipe a bonus. Ouais, on est foutu. On est mort. On est temps d'aller les rattraper, mais. Bah le truc c'est qu'on a on pouvait plus défendre d'un côté. Well well well. Bon, sympa, Tona est un peu plus sympa que ce que je pensais. Son un peu bizarre son pas son plaquage mais Son attaque là avec son grappin. En fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas faire grand chose contre cette attaque en fait. Ils peuvent pas trop la contrer. Ce qui est pas mal. D'aller un peu dans les airs en même temps d'attaquer, elle est pas mal du tout au niveau de ça. Ouais. Ouais, plutôt aller sur ça pour le problème.
Même si de toute façon, après voilà, la progression de la bêta ne va pas sur le jeu principal, donc il faudra que je refasse tout. Ce sera chiant. Mais bon, moi ça me remettra dans le bain, le jeu aura peut-être changé d'ici là, etc. Donc, ouais. On verra bien ce qui se passe. Ouais, il reste plus qu'on remporte des matchs à faire en fait à chaque fois, c'est ça. Voilà, bon bah voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si je ferai de live ou pas sur le jeu. Peut-être que oui, peut-être que non, mais en soi j'ai pas vraiment de matériel en fait pour faire un live correctement parce que je peux pas vraiment parler aux gens en même temps de jouer. Parce que j'ai pas de deuxième écran, je suis qu'un seul écran. Ce qui est chiant. Mais je ferai bien des lives. Voilà. Donc maintenant, je vous dis donc à plus dans une prochaine vidéo et bye bye.